Belle affiche à Pierre-Mauroy entre le champion de France lillois et son probable successeur, le PSG. Cette saison, les deux équipes ne luttent pas pour le titre. Si le PSG caracole en tête de Ligue 1 Uber Eats, Lille est en deuxième moitié de classement à 21 points de son adversaire du soir. Un PSG qui va rapidement prendre les commandes de cette partie. Dès la 10e minute de jeu, le centre de Nuno Mendes et la faute de main d'Ivo Gerbic qui profite à Danilo. Le PSG qui a remporté ses 11 matchs de championnat au cours desquels il a ouvert le score. Achraf Hakimi de retour de la Coupe d'Afrique des Nations qui percute, glisse en retrait à Léo Messi. La frappe enroulée de l'Argentin passe de très peu à côté du cadre. Le LOSC sort d'une défaite à Brest lors de la dernière journée, mettant fin à une série de 9 matchs sans défaite. Ils veulent repartir de l'avant, les Dogs. La tête de Sven Botman passe légèrement au-dessus. Et on insiste avec Atem Ben Arfa qui mystifie entre Eldi Maria et serre Sven Botman qui, dans une position acrobatique, inscrit son 3e but de la saison et trompe Gigio Donnarumma. Un but partout à la 28e minute de jeu. Le public de Pierre-Mauroy qui exulte. Mais la joie des supporters des Dogs va être de courte durée parce que le PSG repart à l'attaque. La frappe d'Hakimi passe de très peu hors cadre. Mais cette fois-ci, sur cette nouvelle erreur d'Ivo Gerbic, c'est Presnel Kimpembe qui marque son premier but en 140 matchs de Ligue 1 Uber Eats. Le PSG mène 2 buts à 1 désormais. Il reprend l'avantage 4 minutes après l'égalisation de Botman. Kylian Mbappé dans ses œuvres qui perfore la défense lilloise qui a du mal à se dégager. Et Léo Messi en profite. Il se retrouve dans une position qu'il affectionne. Le petit ballon piqué du pied gauche pour inscrire son 2e but en championnat. 3 buts à 1 pour les Parisiens juste avant la pause. Léo Messi qui avait marqué à 5 reprises en Ligue des Champions. Le voici de plus en plus à l'aise dans le championnat de France. La Pulga qui va s'essayer sur coup de pied arrêté. Il va une nouvelle fois trouver la barre transversale. Ça avait été le cas notamment face à Lyon ou face à Rennes dans cet exercice. 3 buts à 1 pour les Parisiens. C'est le score à la pause. En deuxième mi-temps, Danilo va signer un doublé. La frappe du Portugais est dévié, va prendre une trajectoire fuyante. Ivo Gerbic ne peut intervenir. Tout sourit aux Parisiens ce soir, à l'exception de la sortie de Di Maria, blessé et remplacé par Julian Draxler. Ça peut être inquiétant à moins de 10 jours du match aller de Ligue des Champions face au Real, où Neymar pourrait faire son retour. Les Lillois n'abdiquent pas, ils sont dépassés techniquement et dans l'intensité, mais essayent de réagir avec cette frappe de Bamba, captée par Gigio Donnarumma. Marco Verratti qui trouve Léo Messi avec une frappe légèrement dévissée de Leandro Paredes. Messi de plus en plus à l'aise, qui aura livré sans doute l'une de ses parties les plus abouties en Ligue 1 Uber Eats. Il transmet le ballon à Kylian Mbappé. Le chef-d'œuvre de Kylian Mbappé à la 67e minute. Ça fait 5 buts à 1. Kylian Mbappé impliqué sur 20 buts cette saison en championnat. 11 réalisations et 9 passes décisives. 5 buts à 1. Allez, ça nous rappelle avril 2019, ce score de 5 buts à 1. Il était en la faveur des Lillois. Les Parisiens ce soir rendre l'appareil aux Dogs. Les Lillois qui étaient invaincus lors des 9 derniers matchs à domicile, 5 victoires et 4 nuls, sont en train de subir une défaite cuisante. Il faut aussi reconnaître la supériorité du Paris Saint-Germain ce soir. Mais jusqu'au bout, les hommes de Gourvennec ne vont pas baisser la tête. Une dernière opportunité avec cette frappe d'Andrel Gomez, le jeune Anglais de 21 ans formé à Man United n'attrape pas le cadre. Démonstration du PSG qui s'impose 5 buts à 1 à Pierre-Mauroy.
pour ce qui pourrait s'apparenter à un passage de relais pour le titre de champion de France. Le PSG convaincant enchaîne un 14e match sans défaite en Ligue 1 Uber Eats, 9 victoires et 5 nuls et possède 13 points d'avance sur son dauphin Marseille. Le LOSC est 11e à 5 points de l'Europe mais à 10 du podium.